jomoy. Dem way full line yibisi jamba. Dawul dole la don buti yagna bitimbe heru yibisi na. Samareu Senegal. Alors bonsoir, j'espère que tout va bien partout où vous êtes. On est aujourd'hui à la ferme encore avec nos jeunes, l'avenir du continent, nos jeunes agriculteurs, mais aussi nos jeunes entrepreneurs agricoles. Ils viennent de partout dans le continent. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir un frère, un ami, un lion, un gars qui croit ce que nous croyons, l'avenir de notre continent, Ferdinand Colly, que vous connaissez bien, qui a servi notre continent et notre pays avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais au-delà de ça, il a décidé de retourner au pays depuis très longtemps, le travail et la terre. Mon frère, merci, ouais. Welcome. Merci Tchon, merci de l'invitation. Merci. Ouais. Donc pour le Nibisina, c'est le symbole de ce Nibisina, parce qu'il a grandi en France, il a vécu là-bas, après il a décidé. Mais pourquoi le retour au pays? Mais je ne peux même pas le dire pourquoi, parce que ça s'est fait naturellement. Et un coup de tête, un coup de cœur. Et même moi, je ne savais même pas. Donc ça a été un hasard. Mais un hasard que je ne regrette vraiment pas, parce que ce que je suis en train de faire, c'est la vérité, c'est la simplicité. Et puis c'est le retour au Sénégal. Et puis être dans la terre, pour moi, ça me correspond vraiment, quoi. Et qu'est-ce qui a fait, après l'équipe nationale, après votre carrière au niveau international, vous êtes retourné au pays, mais pas les autres business, mais... L'agriculture, pourquoi l'agriculture? Non, c'est des processus, parce que je ne me suis pas lancé comme ça. J'avais acquis des terrains en 2008 et puis je ne savais même pas ce que j'allais faire. Et ça a été des étapes, parce que j'ai servi l'équipe nationale en tant que team manager de l'équipe nationale pendant 3 ans. Et après, un contraste, j'avais envie de l'opposer. Et l'opposé, c'est ça. C'est retour à la simplicité et au vrai, quoi. Pour moi, vraiment, si j'avais su, j'aurais fait avant, mais pour moi, c'était une évidence, quoi. C'est une évidence. Donc je vais ouvrir ça pour des questions, parce que puisqu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, je voudrais que vous avez déjà des questions. À moins que vous n'en avez pas, moi je pose, mais si vous avez des questions, vous levez votre main, je vous donne vous poser la question. Donc moi j'aimerais vous demander quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui cherche à revenir dans leur pays et à se lancer dans l'agriculture. Mais les conseils, c'est déjà la passion et puis ne pas être pressé, parce que il faut y aller par étapes, parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain. Moi, j'ai été par étapes. Je ne me suis pas lancé comme ça. Je suis venu, je ne connaissais pas tant bien que ça le Sénégal. Parce qu'on a grandi en Europe et puis ce n'est pas la même réalité. Donc, c'est des processus. Il faut observer, regarder, du bon sens. Il faut seulement observer. Observer et puis on commet tous des erreurs. Les erreurs, c'est celui qui ne fait rien ne commet rien. Donc, il ne fait pas d'erreur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que même moi, je me suis trompé. Je me suis trompé sur plein de choses. Mais je suis dans le bon chemin quand même, parce qu'on ne peut pas s'engager sans faire les erreurs. Celui qui dit qu'il n'a jamais fait d'erreur, ce n'est pas vrai. Et il faut les accepter, et puis les corriger et avancer. Et avancer. Voilà. Ouais. Another question? La dame, vas-y. Ok, merci beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi faire le citron, en fait. Parce que j'ai vu que vous avez fait le citron. Non, parce que la première chose que j'ai eu à faire, comme je vous dis, c'est du bon sens. Je ne suis pas un ingénieur, je n'ai jamais fait la terre. Mais il y a une chose qui est importante, c'est observer. Observer les paramètres, l'endroit où on est, comme ici. Moi, je ne peux pas comprendre un champ où il n'y a pas d'arbres. Donc j'ai commencé à reboiser déjà. Reboiser, et après j'ai mis à long terme, à moyen terme et à court terme. Court terme, c'est peut-être le maraîchage, l'élevage. Le moyen terme, c'est l'arboriculture, les manguiers et d'autres fruits. Et les citrons, on sait que la demande est forte. Est forte. Mais on a souffert avant d'avoir les citrons. On a arrosé à l'ancienne. Il faut du courage. Moi je vous dis, j'ai passé des heures à arroser tout seul. Mais c'est mon passe-temps et puis j'avais envie de rester en immersion. Donc j'arrosais tout seul. Et la récompense, c'est que vous voyez les bourgeons commencer à sortir. Vous voyez vos premiers citrons. Les premiers citrons, je les ai offerts. Je les ai offerts, j'ai tout offert pendant 2 années, j'ai offert le citron. Mais ce n'est pas une forme de business pour moi, mais c'est le fruit du travail, quoi. Donc il faut programmer. Moi, j'ai programmé comme ça. Long terme, moyen terme et court terme. Voilà. Vous remercions pour votre venue, le fait que vous êtes venu ici nous accompagner, nous conseiller.
Parce que nous aussi, nous avons suivi votre carrière. Mm-hmm. On a senti le côté humaniste de votre comportement pendant tout votre cours. La première fois que j'ai suivi votre vidéo sur, ouais, au niveau du sens, je dis que c'est ça que nos pays ont besoin actuellement. Mm. Parce que il faut qu'il y ait des leaders qui montrent l'exemple, comme ce que vous êtes en train de faire là. Maintenant, je voulais savoir, avec toutes les situations que vous avez rencontrées, les difficultés au Congo, à partir de maintenant, qu'attendez-vous dans l'avenir de notre pays et du continent aujourd'hui? L'avenir, que j'attends? J'attends rien. Non, j'attends rien. Parce que pour moi, la première chose la plus importante, avant de pouvoir parler, il faut faire. Parce que c'était bien beau de parler si tu n'as rien fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut montrer ce que tu es capable de faire avant de taper les portes. Il faut s'engager personnellement déjà pour avoir la crédibilité. Pour moi, c'était important. Après, si les gens viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant pis, on continue pareil. Moi, j'attends rien de spécial, mais c'est un secteur que j'ai choisi, sans prétention. Mais je vois que notre ami est encore en avance et c'est bien parce que ça veut dire qu'on est dans le même créneau et puis d'autres sont en train de venir dans ce même créneau. J'ai des amis joueurs, notamment Souleymane Camara, mais il est venu, il a vu ça, il dit je veux la même chose, donc c'est bien. Donc on les accompagne, on essaie de les orienter, de leur éviter les erreurs qu'on a eu à faire, mais c'est bien, c'est en train de prendre. C'est pas seulement moi, c'est d'autres qui sont en train de venir par rapport à la communication. Pourtant, on ne voulait pas trop communiquer, mais on est obligé de communiquer. On est obligé de communiquer par rapport à la crise migratoire, parce que moi, j'ai pas le courage de prendre la pirogue et de traverser l'océan. C'est incroyable. Et donc, c'est un devoir de communiquer par rapport à ça. Parce que s'ils se disent, bon, ça a été curieux de voir un ancien sportif aller dans les champs, mais moi, j'ai pas honte. J'aime ça. C'est mon choix. C'est pas une reconversion, c'est une passion déjà. Les gens, ils pensent qu'aller aux champs, c'est négatif. Mais non. Ils n'ont rien compris pendant le Covid. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? C'est ces mêmes gens-là qui m'appelaient pour dire « Ah, Ferdi, je veux venir au champ avec toi. » Je dis ah, « Non, reste là-bas. Hein. » Non, mais c'est vrai, je vous dis, regardez, moi, ça n'a pas changé mon quotidien. Le matin, je me lève, je vais au champ, je fais tout ce que j'ai à faire, je rentre tranquillement. Ça n'a pas changé pour moi. C'est simple. On vous remercie de tout cœur. Ouais. D'avoir mouillé, d'avoir le maillot pour les je dirais même pour le monde entier. Merci. Mais on sait que vous êtes retourné du pays. Ouais. C'était pas évident quand même parce que, tu avais ta vie à gérer. Mais le fait de revenir au pays, au Sénégal, de par là, qu'est-ce que tu veux montrer à la jeunesse sénégalaise et surtout africaine? Ouais. Je sais qu'en revenant au pays, tu veux montrer à la jeunesse sénégalaise quelque chose. Ouais. C'est quoi en fait? Non, c'est pas. Ça a été un concours de circonstances, vraiment, parce que après avoir démissionné la fédération, j'avais envie de prendre du recul. J'avais envie de prendre ce recul et j'avais envie de... Et ce champ-là, j'ai commencé comme ça à planter pendant l'hivernage et c'est une passion qui te prend énormément de temps. Et puis, tu t'inquiètes même pour les arbres que tu n'as pas arrosés. Je peux vous dire, les yeux fermés, tous les arbres que j'ai dans mon champ, je connais par cœur. J'ai défriché moi-même tout le champ, tout seul, 8 hectares. Ah oui, oui, tout seul. Parce que les gens ils pensent qu'il faut les machines. Non, je peux acheter un tracteur, je ne voulais pas. Parce que des fois, il faut souffrir d'abord avant de se faire plaisir. En mettant le goutte à goutte, en mettant les machins. Les gens, ils veulent vite, ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite. Mais moi j'observe. Hein. Je ne suis pas pressé. Bon, vous avez entendu n'importe quoi. Regardez-le, il est là, il est assis. Bon, ça ne sert à rien. Moi, je sais où je vais, sans prétention. Je prends tout mon temps. Au champ, je n'ai pas de montre. Hier, je suis resté à faire les pépinières, tranquillement à tailler les arbres jusqu'à 20h30. Pour certains, ça n'a pas de sens. Mais moi, je sais, je suis dans mon élément, je prends mon temps, je fais mon sport, je suis en pleine forme, je mange sainement, et c'est tout. Je n'attends rien du tout. Non, mais c'est ça. Oui. Ouais. Another question? Oui. Et depuis que vous êtes de retour, oui. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. C'était fatigant pour toi. Hein. On a vu, on a eu la peine de voir un ancien du pays, de l'équipe nationale, qui a donner son temps, son sueur partout pour le pays. Et au retour, on a vu que tu as eu des difficultés, comme nous tous on a eu. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu des leçons que tu as apprises de ça et que les jeunes peuvent prendre avec toi? Il y a aussi des jeunes qui nous suivent, qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir au pays pour investir. Et quand ils voient des problèmes, comme des gens comme toi qui sont connus
Ouais. Ils ont peur de retourner, d'investir ici. Parce que toi, tu es connu. Moi, la même chose. Et on a eu les mêmes problèmes presque. Bon, toi, plus que moi. Mais beaucoup d'entre nous, on a eu des soucis dans notre propre pays. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire à ces jeunes aussi qui regardent ce qui se passe et ont peur de retourner pour qu'ils puissent avoir le courage de retourner investir? Parce que c'est chez nous. Ouais. Même si c'est difficile, pour moi, c'était encore plus difficile aux États-Unis. Ici, je ne peux pas retourner parce que c'est difficile. C'est chez nous. Il faut qu'on revienne construire le pays et construire le continent. Et donc, je voudrais vraiment que tu parles un peu de ces soucis ouais. Mais aussi les leçons apprises et donner aussi quelque chose à ces jeunes. Non, mais dans l'entrepreneuriat, dans les investissements, et puis c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Mais personne n'est à l'abri de ce qui peut arriver, parce que moi le premier, bon, tous les papiers sont là, notaire, tout ce que vous voulez, mais vous tombez aussi sur les gens qui sont de mauvaise foi. Et si j'ai tenu à communiquer, tout, moi j'aime pas trop communiquer, mais il fallait marquer le coup pour pas que d'autres tombent sur ce genre de personnes. Parce qu'ils sont nocifs, ils sont nuisibles pour la société, pas seulement pour moi, mais pour la société. Parce que quand vous mettez vos garanties personnelles, quand vous voyez 100 emplois, 100 personnes travailler, moi, je peux attendre, c'est pas le problème, mais partir avec la caisse comme ça, c'est pas digne. Et donc, moi, je peux endurer et je sais comment je vais faire. Et aujourd'hui, cette personne est en train de rentrer dans le droit chemin. Mais il a fallu résister, il a fallu combattre, il fallait dénoncer cette chose. Et c'est pour ça que j'ai dit, malgré tout, c'est une expérience. J'ai pas fait preuve de naïveté parce qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, mais aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ça. Et moi, je parlerai pas de la justice, bon, elle est ce qu'elle est, mais il a fallu communiquer, et communiquer, c'est aussi dénoncer et mettre à nu ce genre de personnes. Et j'encourage toujours les gens à venir investir parce qu'il faut faire attention, c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, je suis là, je ne suis pas parti. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions à tout problème et puis il va régler ce qu'il a fait, c'est tout. C'est la leçon à retenir, mais je sais où je mets les pieds. Ça a été difficile, mais il faut résister. Il faut résister, se battre. Quand on a tort, on se tait. On essaie de régler le problème, mais qu'on a raison, et il faut le dire. C'est tout. Si j'avais tort, vous ne m'auriez pas vu parler, communiquer. Moi, je sais ce que je fais. C'est tout. C'est donc, ils vous ont poussé jusqu'à ce qu'à un moment, vous pensiez retourner encore en France? Non. Moi, vous vous mettez dans la brousse, c'est bon, quoi. Mais moi j'ai pas de besoin. Voilà, quoi. J'ai ce qu'il faut. Mais ça, c'est un combat que j'ai dû mener. Et on arrive à la fin quand même, mais il fallait être costaud. Hein. Il fallait être costaud. Mais j'encourage quand même les gens à venir investir, à travailler. Malgré les difficultés, mais ce que j'aime bien dans la terre, c'est que ce que tu fais, tu le vois. Et il faut de la patience parce que dans l'agriculture, les gens, ils sont pressés. Enfin, ils ne sont pas pressés. Vous plantez aujourd'hui, vous ne pouvez pas récolter aujourd'hui. Donc il faut un temps. Comme ce n'est pas une question d'argent, c'est la patience, c'est l'engagement, c'est toutes ces valeurs qu'on aime, quoi. Donc aujourd'hui, moi, c'est un secteur qui me correspond. Et puis voilà, il a fallu passer dans d'autres chemins pour arriver là. C'est comme ça. C'est comme ça. Très bien. Another question? Yes. Après, bon, ça, c'est une question un peu plus personnelle, ouais. Mais à votre avis, intérieurement, quels sont les changements que vous avez remarqués quand vous avez commencé à vous lancer dans l'agriculture par rapport à votre mode de vie d'avant, par exemple? Mais je suis revenu encore un peu plus de simplicité. Bah, je ne dis pas que bon, on a tous... mais j'ai fait des ruptures. Mm-hmm. Il faut des ruptures. Mais quand vous voulez arriver à quelque chose, il faut faire des sacrifices. On n'a rien sans rien. Sans sacrifice, sans engagement. Parce qu'on aime toujours notre petit confort, les trucs, nos petits trucs. Donc certains trucs, il faut les mettre de côté et aller là où on va aller. Vous avez entendu de tout, perdre des amis, des gens qui vont vous dissuader. Mais si vous avez un objectif, moi je suis assez têtu quand même. Bon, je sais ce que je veux, donc c'est là que je vais aller. Donc ça me prendra le temps qu'il faut. Il faut être convaincu, s'engager. Et puis et moi, c'est ce que j'ai eu à vivre. Quoi. Voilà. Very good. Voilà. Merci Ferdi. Pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Speak a little loud. Je dis merci Ferdi, ouais. Pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Et je pense que pour certains, 2000 est récent. 2000 est devant nous. Et 2000 nous rappelle beaucoup de souvenirs. Mm-hmm. Et des souvenirs agréables. Et certainement, il y a certains jeunes tout petits qui étaient là à vous admirer et à vouloir être de grands footballeurs. Aujourd'hui, nous avons vu que vous avez changé de cap. Conseillerez-vous à ces jeunes-là aujourd'hui, si tout avec les conditions dont vous voyez que le pays mérite que tous les leviers de développement soient mis en avant pour que le Sénégal se développe? Non, mais les conseils, c'est vrai que il faut avoir son projet déjà et puis s'y tenir. Parce que c'est difficile.
Même nous, actuellement, bon, ici, bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est difficile, rien n'est facile. Et c'est dans la difficulté que j'ai vu que quand vous résistez et quand vous tenez, vous voyez la lumière là-bas. Non, je vous dis, et ça fait plaisir, parce que vous avez dit, vous avez vu que malgré la difficulté, vous avez tenu, vous n'avez pas baissé la tête, ça a été dur parfois, mais à la fin, vous commencez à voir le fruit. Vous voyez, bon, quand je viens ici, moi je suis fier, quand je suis venu ici, j'étais là, mais voilà, félicitations. C'est quand il est venu ici, personne ne croyait en lui, mais quand j'ai vu, voilà, c'est ça qui fait plaisir. Donc dans la vie, il faut s'accrocher, et puis tôt ou tard, il y aura un résultat, quoi. Voilà. Voilà. Oui, Ferdi. Ouais. Est-ce que vous avez fait une formation en agriculture ou est-ce que vous en faites une jusqu'à présent? Ben, je vais répondre vite fait, je suis en Diola. Non, mais vous rigolez, mais parce que en étant petit, mes trois frères, on est quatre en tout, quatre garçons, on est devait partir en France. Et le grand-père, il dit non, celui-là, il va rester ici cultivé dans les rizières. Finalement, on est tous partis en France. Mais j'avais déjà cette prédisposition. J'aime la terre, c'est naturel. Et j'aime ça, je suis dans mon élément, je fais les choses naturellement. Mais du bon sens, ça ne suffit pas seulement. Après, j'ai dû à me former, à faire des erreurs, ça fait partie. Et puis à corriger, et puis maintenant avec les réseaux sociaux, avec les formations, vite fait, vous arrivez à vous en sortir. Mais on cherche toujours à s'améliorer aussi. Voilà. Very good. Question. Si c'était hier, est-ce que tu allais retourner encore? Bien sûr, non. Si j'avais su, j'aurais fait ça avant, mais je n'étais pas là. On était en activité, et puis... Non, je ne regrette pas. Au contraire, c'est à multiplier, c'est à reproduire. C'est à reproduire. Ouais. Another question? Ouais. Is we doing well? Ouais. Very good. C'est bon, we're doing okay? Ouais. Very good. Donc, pour votre dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes? Chacun d'entre eux ici a un projet. Ouais. D'accord? Ils sont plus de... On est à la 12e promotion. 225 jeunes qui sont formés depuis janvier. Et chacun d'entre eux a un projet. Mm-hmm. Ils ont le même rêve que nous. Ils veulent développer le continent. Certains d'entre eux sont venus de la Mauritanie, Burkina Faso, il y a Ghana, il y a beaucoup de pays. Le Bénin, il y a Togo. Tous les pays, même la diaspora qui sont aux États-Unis, Canada, il y a États-Unis, France, partout. Ils ont le même souci qu'on a avec notre grand frère et notre oncle, M. Ngom. Vous aurez l'occasion d'écouter, qui est une inspiration pour nous tous. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire, mon frère, puisque eux aussi ils veulent commencer, ils veulent revenir et nous aider à réaliser ces rêves qu'on a tant eu, parce que comme moi, on a voyagé le monde, mm-hmm. on a vu ce qui se passe ailleurs et on veut ramener ça chez nous, pour faire mieux chez nous. Et je sais que moi, quand je les regarde, j'ai cet espoir. Parfois, je suis fatigué, parfois, c'est décourageant. Parfois, tu ne vois pas ce que tu fais, les résultats. Mais à chaque fois, c'est pourquoi je suis toujours en contact avec eux. Parce que quand je les regarde, ça me donne de la force. Il y a de l'espoir. Parce que je sais que eux, entre eux, là, le changement viendra d'eux. Et ils ont besoin de notre énergie, de ton énergie, de ton expérience et aussi de tes conseils. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant qu'on puisse clôturer? Non, mais moi, ce que je peux leur dire, c'est que faut commencer avec le peu de moyens. Moi, j'ai commencé, je ne savais même pas commencer. J'ai commencé, je ne connaissais rien. J'ai même pas eu la formation que vous avez eu à avoir. Et ça, c'est une chance déjà, parce que quand je vois... ce que vous avez ici, bon, c'est une chance. J'aurais peut-être gagné plus de temps aussi, avec des professeurs, des... mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Vous allez commettre des erreurs, ça fait partie de la vie, il faut y aller. Mais après, il y a aussi une condition, c'est l'accès au financement. Moi, j'ai pas mis vraiment de l'argent, j'ai commencé avec petit. C'est pas une question de se faire une encolie. Non, j'ai fait comme tout le monde au départ. J'ai fait comme tout le monde, je vous dis, j'ai galéré, j'ai arrosé, à puiser, à arroser comme ça, à courir avec de ma musique, voilà. Je me suis investi comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas croire que c'est une question d'argent. Non, j'étais là-bas, sur le terrain. Je travaille plus que les... On est quatre seulement. Mais je travaille plus qu'eux. Ah oui, je vous dis, je travaille plus qu'eux. En plus, j'essaie de maintenir la forme en même temps, donc... non, mais c'est important. Il faut vous investir dans votre projet, quoi.
au moins vous savez, vous connaissez votre champ, vous connaissez vos affaires, parce que si vous êtes là tranquille, non, il faut être sur le terrain quoi. Moi c'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous pouvez avoir des déconvenus, d'accord, mais vous connaissez ce que vous faites, vous êtes présent. Moi c'est ce que j'ai à comprendre. Surtout de prendre le temps, parce que l'autre jour on mangeait, on parlait de ça, beaucoup de jeunes ils veulent faire le projet et voir les résultats aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Et l'agriculture. Non, mais par contre, vous pouvez voir à long terme ce que vous allez faire à long terme, c'est peut-être l'arboriculture. À moyen terme, peut-être, je sais pas, l'élevage. Et à court terme, peut-être le maraîchage ou les pondeuses, je sais pas, quelque chose de rapide. Moyen, donc court terme, moyen et long terme. Mm-hmm. Voilà, moi c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis projeté à long terme, à moyen terme et à court terme. Quelque chose qui peut rapporter les œufs, les machins, les poulets, 30 jours, 35 jours. Chacun a sa perception, a sa façon de voir son truc. Hein. Chacun a ses idées, voilà. Et c'est ça qu'il faut, il faut y aller, il ne faut même pas avoir peur. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur, les jeunes qui veulent venir, Non, mais les jeunes qui peuvent venir, moi je suis Sénégalais, d'accord, mais qu'est-ce que je connaissais ici à part jouer, après on partait, donc je restais même pas 15 jours au Sénégal, pour vous dire, et je suis arrivé comme ça, Donc il faut y aller, parce que l'Europe c'est bien, d'accord, mais tôt ou tard, on sera amené à revenir en Afrique, et moi, je pensais même pas que j'allais être ici, là, c'était peut-être une maison au Sénégal, je viens de temps en temps, et encore, et là je me retrouve au fin fond de la brousse, non mais je peux pas vous dire, donc il faut y aller, il faut pas avoir peur, et ça vous allez pas le regretter. Regardez, vous êtes dans la nature, vous avez ces conditions, vous faites des envies en France, même ou en Europe, ou je sais pas où, avoir ça, c'est de l'or. Mais les gens, des fois, ils comprennent pas. Donc, il faut y aller. Ça, c'est l'African Dream. Ouais. Merci beaucoup. Thank you. Ouais. Okay. Merci, Ferdinand. Senegal.